Eh bien, salut à tous les amis, c'est Roxiv, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, ça va super. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un petit troll, et oui, c'est le deuxième sur ma chaîne, le premier vous a beaucoup plu. J'ai décidé tout simplement de vous en refaire un. Donc, cette fois-ci, ça va être un troll, tout simplement, avec... on va faire croire à un enfant de 10 ans qu'on est en train de le hack. Et en fait, la réaction est assez drôle. Bon, en tout cas, vous en faites pas, parce qu'on lui a dit à la fin que c'était une blague. Et on lui a offert un... On lui a fait quelques petits cadeaux, comme un compte MC. Et il l'a très bien pris. Donc, tout s'est super bien déroulé. Donc, en fait, on poste ça juste pour le lol. Donc, j'aimerais vraiment que vous ne le preniez pas mal. Et que vous ne mettiez pas des pouces rouges ou des... oh là là, t'aurais pas dû faire ça, c'est pas bien. Donc voilà, c'était juste pour le fun. Et puis sachez que, en tout cas, l'enfant l'a très bien pris. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus. Ça me ferait vraiment vraiment plaisir. À partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Allez, c'est parti les amis. Ouais, du coup, je crois que t'avais passé ton Skype dans le chat, du coup, je t'ai ajouté. Ouais, ouais. T'as un compte premium ou pas? Non. Ah, bah c'est dommage, du coup. Gagnant, ou pas? Bah ouais, parce que du coup, tu peux pas aller sur Epic Cube. Non. Bah, si tu veux, genre, on a 500 abonnés, et chacun. Et en fait, pour nos 500 abonnés, si tu veux, on offre un compte MC, enfin un compte MC chacun, donc on en a deux. On en a déjà offert un ce matin, on en avait trois. Maxime, on a déjà offert un. Et là, j'aimerais bien en offrir un. Et bah, vu que t'as pas de compte premium et que tu connais Maxilou, ben si tu veux, ben je peux te. On peut te l'offrir. C'est quoi votre chaîne? Bah, c'est nos pseudos qui sont sur Skype. Ok. Le truc, c'est que. Faut que tu. Les conditions, c'est juste que. Faut que tu nous dises ton âge, vu que ben s'il y a un âge requis, faut avoir minimum 8 ans, je crois. Donc, ouais, c'est bon. T'as quel âge? Là. Hein? 11. Bon, ça passe. Ça passe. Et tu t'appelles comment? Enfin, si c'est pas indiscret. Jules. Jules? Ok. Non, je... Ok, Jules. Bon. Donc. Bah alors, ce que je vais te faire, donc ça t'intéresse ou pas? Ouais, ouais. Bon. Du coup, on va te passer un lien. On va te passer un lien. Attends. Entrée là? Ouais, vas-y, fais. Oh, non, appuie sur entrée de ton clavier. Bah ouais, ça marche. Ça fait... Et... Ah, voilà. Bon, ça fait ça. Ça t'a mis quoi? Bah. Access Digned. On se met Access Digned sur le truc. Ok. Bon. Ouais. Donc, c'est plutôt cool, merci à toi. Bah, moi j'ai tout là, c'est bon, Roxif. Ouais, pour ma part j'ai aussi. Toutes les infos. Ouais. Ok, bah c'est bon, du coup. Ouais, donc en fait, bah merci à toi. Hein, parce que du coup, en faisant ça, comme tu vois, c'est une page un peu bizarre. Donc en fait, tu nous as donné l'accès à tout ton PC. Du coup, j'ai tous les mots de passe, j'ai ton adresse IP. Je peux même trouver éventuellement peut-être les comptes bancaires de tes parents. Et faut savoir que si tu quittes Skype, ben forcément on devra lancer une attaque sur toi, une attaque DDoS. Donc du coup ça serait pas très intelligent, tu vois. Ouais, donc vaut mieux que tu restes. Sur Skype. Ouais. Donc on va t'expliquer un petit truc maintenant. Si tu veux pas qu'on fasse des trucs, qu'on achète des trucs éventuellement, que tu crashes ou quoi que ce soit, est-ce que t'as un truc à nous proposer pour qu'on reste gentil en quelque sorte? Ben vous voulez quoi? Enfin moi ouais. On va propose-nous. Et j'espère, moi je peux rien faire, j'ai rien. Des trucs intéressants. Fais voir ton bureau une fois, fais voir ton bureau. Bon bah écoute, hein. Ça va mal finir je pense. Et... On va être obligé de mener une attaque. Hein. Attends, je prends son adresse et... Mais c'est quoi le... En fait, c'est quoi votre attaque? Ça va faire quoi? Bah. En fait, tu vois là, t'es sur Minecraft, et bah. Si je lance une attaque, dans 3 minutes, t'y es plus. Pareil pour Skype. Pareil pour tout ton PC en fait, ton PC va crash dans quelques minutes. Non, pas seulement le PC, et la connexion. Crash, ça va faire quoi crasher? Bah, ça veut dire que ton PC. Tu pourras plus jouer, voilà, tu auras plus de connexion.
pourrais plus rien faire sur mon PC. Non, plus rien. Tu sais pas c'est quoi une attaque de Deos? Mais non. Bon, on va te montrer, écoute. Hein. Ouais. Non. C'est bon, alors j'ai son adresse IP, attends. Je vais rentrer dans le site. Ça marche. Tu veux lui envoyer combien de paquets? On va faire comme l'autre d'avant là qui a crash. On va lui en mettre 10 000. Ouais, okay, 10 000 paquets. Ça marche. À combien de mégas? Tu vois, on peut mener tous les deux l'attaque, hein. On peut le faire à deux. Ouais, ce sera plus puissant, ouais. Ouais, vas-y. Ok, ça marche. Non, je suis pas possible. Bon, je pense que dans. Ouais, d'ici. Je pense que éventuellement, 14 tu minutes, pourras 14 revenir minutes. Jouer à Minecraft dans. Dans 14 minutes, moi, mon attaque est lancée. 14 minutes? Ouais. Attends, je la lance maintenant. Mais en fait, donc, quand minutes, votre attaque sera lancée, en fait, je pourrai plus rien faire sur mon PC. Non, mais ton PC, voilà, en fait, va s'éteindre. Il ne se rallumera plus. Il pourra plus se rallumer? Non. Tu verras, mais tu pourras essayer de le rallumer, ça va te mettre un message d'erreur. Et en fait, il faudra que tu envoies chez le réparateur. Et même le réparateur, c'est pas sûr qu'il arrive. Tu vas sûrement devoir acheter un nouveau PC. Mais non, mais... Il va me déglinguer. Non, mais s'il vous plaît. Bon, alors attends. Peut-être que j'ai une solution pour toi. Tu veux pas qu'on te fasse... S'il vous plaît, c'est pas, en fait, c'est pas mon PC. C'est mon PC de ma mère et... Si elle voit ça, enfin, c'est pas le PC de ma mère, mais... Elle me le prête. Bon, alors ok, j'ai une solution pour toi. Si tu veux, on ne fait rien, on fait rien toi, à ton PC, mais il y a une seule solution. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'envoyer un lien, et en fait, c'est un lien de tout simplement où tu vas devoir cliquer. Il n'y a rien dessus, il n'y a pas de virus ni rien. De toute façon, si on veut, on peut te les envoyer, les virus, mais c'est pas le souci. Et là, en fait, tu vas juste devoir chanter une chanson pour nous. Ça te va? Chanter une chanson? Ouais. Mais je connais pas de chanson moi. Non mais je te donne les paroles. Ok. C'est pas un fake. Non. Bah, de toute façon, tu connais la Reine des Neiges. Ça s'installe doucement dans la nuit. Plus fort. Un royaume de solitude. Toujours. Le vent qui dans moi ne pense plus à toi. Plus fort. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme. Pas de tourment, de sentiment, libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais, libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais, j'ai laissé mon enfance en été. Perdu dans l'hiver. Oh les amis, c'est magique. Mais pourquoi il a quitté. Oh non putain. Oh j'en pouvais plus. Je t'ai même mis, tu t'es plié putain. Ah mais pareil. Juste ouais, un dernier truc gentil, Je te demande juste un dernier truc. C'est que tu vas devoir lire le message que je vais t'envoyer sur la convo. Lire ? Ouais, tu vas lire. Ouais, juste le lire. Haute. Je m'appelle Artemus et je me suis fait troller par Griff. Vous me trollez là ? Ouais. Oui. C'était un troll. Attends, je vais pas me faire hacker. Non, t'inquiète. T'inquiète pas, on n'est pas comme ça, c'était juste un troll. Bon bah les amis, donc voilà, c'est la fin de ce petit troll. Donc voilà, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de like, à partager, à aller voir la chaîne de Maxilou qui sera en description pour voir son point de vue. Donc voilà les amis. La chaîne de Roxy. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo et allez, salut les amis.